lorsque nous pénétrons dans une galerie d'art pictural et que nous nous mettons à contempler un tableau, lorsque notre regard cherche les lignes et les courbes qui ont donné sa forme à une sculpture, ou lorsque, confortablement assis sur le fauteuil d'une salle de concert, nous nous élevons jusqu'à atteindre l'harmonie qui jaillit de la sphère sonore d'une œuvre musicale, nous faisons ni plus ni moins une bien étrange expérience. Celle qui consiste à rentrer en relation avec le monde intérieur de notre être humain, qui, à travers son acte de création, nous dévoile les plus secrètes et intimes profondeurs de son âme. Profondeur qui souvent demeure aussi inaccessible pour l'auteur de l'œuvre que pour son public. Cet homme ou cette femme, nous avons coutume de l'appeler artiste. Qui est donc cet humain? Et quels sont les motifs qui l'ont poussé à créer? Comment a-t-il procédé pour matérialiser dans une forme tangible ou audible une partie des mystères de son âme? Ces questions en engendrent une série d'autres qui posent en premier lieu l'interrogation sur ce qu'est en réalité l'art et quel est son rôle dans la vie sociale. Car après tout, l'art est-il un luxe, un passe-temps dont on pourrait aisément se passer, ou alors s'agirait-il d'une nécessité qui nous désaltère momentanément, d'une infinie soif orientée vers la beauté et la vérité absolue? Nostalgie d'une réalité d'être dont une fragile réminiscence résonne encore faiblement dans notre microcosme humain? Or, comment est-il possible de tenter une analyse sur l'art, une réflexion sur sa nature et son essence, sans se référer en même temps à l'homme? Peut-on dissocier la nature de l'œuvre de celle de son créateur? Celle de son créateur avec l'univers dans lequel il évolue avec ses semblables, réagissant à un incessant échange d'informations dont la majeure partie lui demeure inconsciente? En effet, l'être humain n'étant pas un être isolé, son acte créateur influence et est influencé lui-même par l'environnement, la culture, le passé historique, l'évolution des connaissances scientifiques et l'émerge de la civilisation dans laquelle il participe et agit autant qu'élément vivant et actif. Nous arrivons donc devant le point crucial qui préside à tout acte créateur. L'inspiration. L'inspiration est-elle le fruit de l'environnement civilisationnel ou trouve-t-elle sa source dans des domaines qui dépassent largement l'attendement du raisonnement cérébral, ou encore chacun des deux facteurs apporte-t-il sa contribution? S'il en est ainsi, quels sont les critères qui déterminent la valeur d'une œuvre d'art digne de ce nom? Peut-on le mesurer en fonction de la réussite que l'œuvre apporte au niveau de la cohésion sociale, ou la cible est-elle plutôt d'ordre moral, philosophique, voire celle d'une élévation spirituelle? Ces critères obéissent-ils à des lois qui éveillent dans les secrets de l'âme le souffle créateur, lesquels, à la suite d'une lente maturation de l'idée de l'œuvre en gestation, illumine et guide par des voies sûres l'inspiration de l'artiste? En méditant sur ces interrogations, force nous est de constater qu'inévitablement la question de l'art est à la fois la question de l'homme, dans toute l'étendue de son mystère et de sa relation avec le cosmos et la vie qui s'y manifeste. Toute tentative d'aborder l'art
sans le considérer dans son entièreté, serait voué soit à l'échec, soit à un examen superficiel qui ne traiterait que de la périphérie des choses sans pouvoir en atteindre le centre. Le sujet sera examiné sous plusieurs angles de vision, de façon à définir s'il est possible de dresser une hiérarchie de valeurs et de faire ainsi une distinction entre les diverses expressions dites artistiques, en délimitant celles qui sont aptes à générer une œuvre d'art véritable de celles qui ne peuvent dépasser les rangs de l'art mineur et par conséquent ne méritent aucunement d'être considérées comme des expressions d'art authentique. Les questions qui ont été soulevées précédemment seront traitées minutieusement à l'aide d'écrits et d'œuvres que d'éminents penseurs et artistes nous ont laissés au cours des siècles, sur lesquels nous essaierons d'ériger une réflexion claire et d'apporter ainsi notre pierre de construction à l'édifice spirituel de l'art.